Coucou mes petits queues et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais déjà fait ce petit concept là il y a quelques semaines. En tout cas, j'ai voulu recommencer l'aventure de rénover au même prix, rénover sans dépenser, sans frais, c'est-à-dire partir avec le même budget. Je peux tout détruire et refaire, mais sans dépenser plus, avec le budget du terrain de base. Et cette fois-ci, j'ai choisi cette magnifique chose à Oasis Springs, hein, on la connaît, c'est une starter également, elle est affreuse. Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'il faut revoir, parce que, après, ça fait très roulotte. Enfin bon, il y a déjà beaucoup de choses que je vais jarter. Je vais bien sûr mettre le budget du Sims à zéro. Comme ça, tout ce que j'avais cassé après en mode construction, sera du coup le budget que je devrais utiliser pour cette rénovation. C'est parti, regardons ce qu'elle a à l'intérieur, ce qu'elle a dans le coffre, cette construction. Aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là, j'avais oublié à quel point c'était moche. Ouais, bon. Oh là là, puis il n'y a qu'un lit, seul lit et une personne, quoi. C'est-à-dire que tu peux emmener ton date. Enfin, t'as la douche. Mais quand même, c'est pas terrible. Ok, ok. Bon, je pense que, effectivement, ça fera pas de mal de rénover tout ça. Alors, on va commencer à l'intérieur. Je vais tout casser et récupérer les sous-sous. Allez, on casse tout, hein, on se fait pas... Voilà. On y va. Surtout que là, je pourrais aussi rénover... mince. Bah oui, si, les murs aussi. Oui, on casse tout, c'est vrai. Rénover également tout ce qui peut être fenêtre. Parce que chose que je n'avais pas pu faire dans l'appartement de la dernière fois. C'est pour ça que là, ça m'intéressait de faire un terrain avec une maison. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça fait tellement du bien de tout casser. A priori, c'est ok. Ça, je dégage aussi, c'est pas possible. 9000 Simflouz. Allez, on casse encore des choses. Parce que ça, je sais que ça va pas rester. Ah, il y a ça aussi. Ça coûte bien des sous. Le dessous d'escalier. Et voilà qu'on récupère pas mal de thunes. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore supprimer? Je pense que je peux supprimer les nains de jardin. Mais ils valent des sous en plus. Hein. Oh, le flamand. Allez, les pots. Je vais supprimer carrément les fenêtres. Hein. Bon, il nous reste un rectangle. Et 12 000 de budget. Alors, est-ce que si je change... Ça change... Ouais, c'est bien ça, les fondations. Comme ça. Franchement, ça mange rien en plus, c'est gratuit, donc tant qu'à faire, on va mettre des fondations un peu plus classe. Hein. Voilà, ça c'est un peu plus sympa. Le toit, on le dégage parce que c'est vraiment moche. Mais les toits rapportent des sous. Ah, ok, j'ai supprimé l'espèce. Il y avait bien une plateforme en fait. Enfin, il y a une terrasse qui ne servait à rien et qui prend 500 de budget. C'est énorme pour une maison comme ça. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça, les Sims, mais vous saurez. Peut-être que pour cette maison, je vais axer la chambre un peu plus à l'arrière, pour le coup. Et axer un peu plus le living, le salon ici. Peut-être, oui, la cuisine et la salle de bain. Ouais. Bon, je vais peut-être rester sur le même format. Si je faisais un peu une plateforme pour le coin de la chambre. Alors malheureusement, ça casse tous les murs, hein, mais que je serais obligée de remettre. Pour avoir une chambre un peu cosy. Voilà. Disons que la chambre sera ici à l'arrière. Chambre avec double, évidemment. Ah, mais ouais, mais carrément, en fait, je vois très bien ça. Je vais supprimer ce mur-là. Hop. Ici, je vois bien la salle de bain, au final. Attenante, avec un coin de toilette. Que je voudrais que ce soit accessible, toilette, mais en même temps, ça communique avec la salle de bain. Vous voyez ce que je veux dire? Que pour les invités, ils viennent, mais ils vont pas dans le reste de l'aventure. Ouais, enfin bref. Dans ce cas-là, plutôt. Casser. Ouais, comme ça. La porte peut rester là ou peut-être se mettre ici. Ça fait que là, on réduirait. Ça m'a pété les fondations d'ailleurs. Ça c'est pas bien du tout. Ah, ok, c'est bon. Je vais choisir un peu plus foncé pour l'instant. Je verrai bien ce que ça donne. Alors oui, je m'étais dit peut-être faire un petit bout de terrasse. Dans ce cas-là, je le ferai peut-être plus vers le salon en fait. Et là, on est plutôt pas mal. Je me dis que finalement, ici, on peut faire une petite cuisine sympa. Et après, le salon. Ouais, on peut faire ça. Au niveau de la toiture, on va user des plateformes. Faire un truc un petit peu comme moderne, en fait. Je vais faire une plateforme. On va augmenter un peu la taille comme ça. Voilà, plateforme comme ça. Bon, ça, c'est peut-être un peu trop. Je vais faire le minimum. Je voulais, en fait, avec un poids comme ça,
créer un espèce de puits de lumière. Voilà, la plateforme est faite autour. Je vais peut-être changer, faire un truc un peu plus, voilà, comme ça. Au niveau des fenêtres, je pense que je vais utiliser celles d'université qui sont horizontales parce que je les trouve vraiment sympathiques. Ça rapportera de la lumière sans avoir trop de visibilité sur l'extérieur. J'aime bien l'idée, comme ça, et sauf au niveau du séjour où je vais mettre des baies vitrées. Pour les fenêtres, je me dis que celle-ci pourrait être pas mal. Ça donne un petit aspect moderne. Ah ouais, très très sympa ça. Pour la salle de bain, les petites fenêtres comme ça sont toujours plutôt les bienvenues. Voilà, ça, c'est pas trop déconnant. Premier chantier important, la réno de la cuisine. La dernière fois, j'avais dû vraiment jouer, j'avais vraiment pas beaucoup de budget quoi. Là, j'en ai quand même beaucoup plus avec 11 000. Je me dis qu'on est bien, je pourrais éventuellement faire un bar pour pouvoir manger. Alors certes, c'est pourra pas inviter tous ses potes, mais c'est déjà ça. Je vais placer le frigo, la gazinière. Alors, la gazinière ici, le frigo là. On va voir au niveau du budget, peut-être que ça devrait aller. Putain, 1425 le frigo quoi. On va faire une concession sur la gazinière, hein. Cuistot Pro, c'est celle que je mets, mais... La cuisine est faite. Il me reste 7000. Une chambre, une salle de bain, un séjour. C'est largement faisable, j'avais déjà réussi avec largement moins. J'ai mis des meubles en hauteur, mais j'arrive pas à voir si c'est la même couleur. Pff, allez, on va rester là-dessus. Peut-être 2-3 bricoles, parce que il faut bien donner de la vie. Voilà, on a rajouté de la vie avec quelques fruits, des ustensiles en bois. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme sol? Ah, je peux mettre les nouveaux carrelages qu'on a eu avec le Rikikit. Bon, ça donne quelque chose de très, très noir et blanc. En vrai, ça passe, mais ça fait deux motifs. C'est peut-être un peu trop noir et blanc. Bon, pour l'instant, je vais laisser noir et blanc. Je verrai bien comment je fais le séjour. Le sol, d'ailleurs, est dégueulasse. On va apprendre tout de suite du parquet. On peut mettre des parquets clairs d'ailleurs. Bon là ça va pas du tout parce que j'ai pas changé l'intérieur des murs. Expression pure. Voilà. On va tout mettre en blanc. Tout est blanc sauf la cuisine. J'aime bien le sol foncé comme ça. Bon, avant de passer directement au salon et à la chambre, on va passer à la salle de bain. Je vais mettre le toilette que l'on a avec Mini Maison, avec le lavabo également de Mini Maison. Voilà, on a tout Mini Maison ici. On est déjà sur un budget de 1500 si on prend celle-là. Bon, je vous avouer qu'en plus de ça, les motifs sont pas incroyables. Donc, je vais rester sur le basique blanc bleu pour la salle de bain. Je vais ajouter un petit tapis pour le sol. Du coup, on va pouvoir mettre du carrelage au sol. Ah, mais ça va vachement bien en plus. Et puis, ça fait un rappel avec la cuisine. Est-ce que j'abuse pas un peu? Allez, on va mettre celui-là à la place. Comme ça, au moins, on change un peu. Puis, ça va encore mieux avec les vagues du rideau de douche, quoi. Pour le carrelage mural, ça peut être très bien. Ça fait le taf. C'est propre. C'est un des rares carrelages que je trouve propre. On n'a pas la porte pour entrer dans la salle d'eau, par contre. Et ça peut être un souci. Mais il me reste quand même 3600 budget. C'est peu. J'ai encore un salon et une chambre à faire. Bon, je vais réutiliser ces portes-là. C'est les plus simples. Et il me reste 3600 toujours. J'ai pas encore mis les escaliers pour grimper dans la chambre. Par contre, ce que je veux faire, supprimer le dessous d'escalier. Voilà, 136, c'est quand même important. J'ai envie d'un salon coloré, hein. On a quand même ceux de tricot ou ceux de mini maison qui se ressemblent. Ça, c'est pas mal. J'aimais bien aussi, du coup, en turquoise. J'aime bien le vert, le orange aussi. Ouais, je pense que je vais partir sur du orange. Alors, je vais garder les deux pour l'instant. Oui, j'ai pas mis les sièges encore de... Oui, Shirley, tu fais n'importe quoi, hein. 80, ouais, c'est nickel, ça. Ça va. Il me reste 2547. Je dois finir le salon, je dois faire la chambre. Cette table de décoration d'intérieur est plutôt pas mal. Oh, il y a ce tapis-là du kit Riyad. Ah, mais ça, c'est nickel en vrai. Je pense que je préfère le canapé de Mini Maison. Ah, ça commence à avoir de la gueule tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait au début. Pourquoi pas rajouter des petits poufs de coussins ici. Est-ce qu'on aura du budget pour mettre une télé? Oui, parce que j'y pense, je décore, mais le budge, comment il se passe le budge? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il va pas falloir que je fasse l'impasse sur ma gazinière, encore une fois, que je vais être un truc dégueulasse? Ma combo douche, qui vaut 1005. Pour l'instant, je vais meubler la chambre. Je pense qu'il faut que ce soit quand même plus important d'avoir un lit double dans la chambre. Ce lit-là, il est plutôt sympa de décorateur décoration d'intérieur. Ouh! Des petites teintes sympas. J'aime bien la verte. Écoutez, ce sera coloré au moins cet appartement. Hein. Enfin, cet appartement. Cette maison, pardon.
Il m'a coûté combien ? 900 ! Quand même ! Déjà, je remarque que j'ai pas mis le parquet dans la chambre. Aïe aïe aïe, 86 flouzes. On va peut-être taper sur une commode aussi, histoire de dire que c'est une vraie chambre, qu'on peut y ranger ses fringues. Ouais, si, ça c'est pas mal. Je crois que j'avais utilisé déjà la même. Je me répète en fait. C'est la même que j'avais utilisée dans l'appartement. Mais bon, écoutez, elle coûte que 240 ! C'est hyper avantageux ! Et il me reste que 872 là par contre. Ouais, là par contre. Ça commence à puer. Il est toujours assez sympa celui-là. Écoutez, on va l'ajouter là. Ouais, c'est pas mal. Au moins, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Ah, je pense qu'il va falloir que je dise adieu à la Cuisto Pro. Camille Simflouz, c'est très cher. On va lui mettre une gazinière pourrie, hein. Tu vois pas la différence. Il n'y a pas un gap de 1100 Simflouz entre les deux, c'est pas vrai. On peut prendre celle-là, qui est un peu entre les deux. En contradiction avec l'esprit moderne, mais... Bon, par contre, je vais peut-être aussi changer l'escalier. Ok, c'est mieux comme ça. C'est déjà plus harmonieux. Peut-être un tapis, si je peux me permettre, dans la chambre. Allez, on va partir sur celui-là. Allez, on va choisir une petite lampe. Oh, allez, mais deux en un, en fait, là. Du deux en un, les amis. Une lampe qui fait également office de plante. Bon, la plante, elle part dans le mur, mais on dira rien. D'ailleurs, peut-être changer le papier peint. Enfin, alors, le papier peint de décorateur d'intérieur me pomperait 20 Simflouz, mais si je le mets que comme ça, c'est pas mal. 823, il me reste. Aïe, 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 je vous jure. Hein. Ah, en vrai de vrai. Pas vraiment les couleurs, mais 10 Simflouz et puis ça habille le mur, quoi. Est-ce que je peux gruger encore et mettre un petit rideau pour cacher l'entrée de la chambre? C'est plutôt pas mal. On laisse pour l'instant la chambre tranquille. Retourne dans le salon. Le salon de l'angoisse, hein. On va mettre de la musique dans le salon. C'est quand même très sympa. Ils pourront au moins s'occuper que de la musique, les Sims. Il y a défaut de télé ou de bouquin. Ici, on a donc hein, le serre-livre lapin magnifique pour la culture. Hein. Ils pourront écouter de la musique et s'instruire. C'est toujours ça. Oui, c'est ça en fait ce qui manque. Un papier peint. Écoutez, j'ai ça de écologie avec le fond comme ça. C'est pas mal. Oh mince, par contre, je m'arrête où? Ah oui, je pourrais m'arrêter là. En mettant un poteau, je vais prendre un poteau tout simple, blanc, comme ça. Alors voilà, ici, c'est l'espace salon, quoi. C'est pas mal, ça réchauffe un petit peu. Est-ce que cette lampe de déco... Ah oui, elle peut prendre de l'espace. Et je l'aime bien, cette lampe du dernier Rikikit, hein, du Rikikit déco maximaliste. J'ai besoin de plantes, là, il n'y en a pas assez. Cette plante, par exemple, de vie à la campagne, est plutôt pas mal. Cette petite décoration aussi qui vient d'un Rikikit. Ça rajoute quelque chose sur la table, c'est mignon. Je ne peux pas résister de mettre un peu de paranormal. Cette plante-là, ici, c'est très mignon. Ça passe très bien dans la chambre. Il me reste actuellement 102 Simflouz. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est d'améliorer l'extérieur de la maison. Déjà, on va changer le parement extérieur. Fer rouillé, maintenant. C'est du fer rouillé, ça. Et en plus, ça me fait gagner de l'argent. Mais ça a une meilleure gueule, quand même, d'extérieur. Oh, mais on est sur quelque chose, là. J'aime beaucoup cet extérieur. C'est vrai que j'ai pas changé la porte, mais elle est affreuse. 240 Simflouz, c'est dégueulasse. Je vais donc la changer. Pour une porte, elle est sympa, celle-là. Elle est un peu petite, celle-là, industrielle. Oh, ah, ça me bouffe du budget, mais elle passe très bien à l'extérieur. Hein. Il me reste 319 Simflouz. J'ai envie de vendre ça. Bah oui, oh, 300 Simflouz le seau. Ah mais là on est retourné à 1000 Simflouz, je peux me faire plaisir. Eh ben c'est parfait, parce que c'est ce que je voulais faire, c'était agrandir la terrasse. Allez, encore un tout petit peu. Ouais. Bien sûr on va changer les clôtures, on va mettre quelque chose de moderne pour aller avec le reste. Peut-être ça pourrait passer. Et en plus c'est moins cher, donc je valide. On va changer l'escalier également. Je vais mettre blanc, voilà, je gagne des sous. C'est merveilleux. J'ai peut-être envie de faire la terrasse en blanc. Les fondations, je vais devoir les changer également parce qu'elles commencent à me piquer les yeux. Et je l'aime bien la petite terrasse comme ça. C'est-à-dire que vous passez, mais en même temps, vous allez avoir un petit salon de jardin là sur l'extérieur. Ça va être bien. Ils n'auront pas de télé, mais ils pourront prendre l'apéro. Bah, rien que ça, je dis bingo. Bing pat. On va partir sur du noir et blanc également. Je vais prendre ces chaises-là. Voilà le petit coin de la terrasse. Là, franchement, ouais, je devrais plutôt la mettre là, histoire de vraiment profiter qu'il y ait de la place pour recevoir les potes, quoi. Oh là là, j'ai le parasol carré. C'est plus beaucoup de budget, quand même, hein. Laissez le beige comme ça, ouais, ça réchauffe un tout petit peu. Je vais regarder pour les étangs.
Et puis on va le remplir d'eau, hein. C'est gratuit, 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 gratuit. Voilà. Sachant que j'ai même pas viré les plantes. Je suis sûre que ça va me ramener de la thune tout ça. Mais oui, regardez. On fait un peu le ménage. Je vais recycler certaines qu'on a. Mais toutes les mauvaises herbes là, ça dégage. Très cool d'ajouter un petit palmier ou deux. La fougère arborescente, je vais rajouter ça, ça coûte pas trop cher. On est sur quelque chose d'assez sympa. Il nous reste 330. Je suis en train de réaliser, en changeant la couleur de la poubelle, que j'ai encore une fois oublié la poubelle dans ma cuisine. On va utiliser celle de Soulani. Ça, je gagne un peu, tout petit peu d'argent. Ouais, je pense aussi que ce chemin-là, il est pas très ragoûtant. Je vais changer. Peut-être en mettre aussi sous la maison, histoire de dire qu'on a quand même construit sur du dur, pas sur du sable, quoi. C'est déjà un peu plus sympa. Comme ça, au bord de l'étang, ça fait comme si on avait une vraie plage, quoi. Mais on est pas mal. Je rajouterai peut-être encore les arbres. Alors, j'ai peur de mettre le palmier un peu au milieu de nulle part, comme ça. J'ai des cailloux. Ouais, bah, on va mettre que des SE à 20, hein, parce qu'il faut pas déconner. On a un budget à tenir. Alors, on est sur quelque chose quand même de mieux. Il me reste 146. Et c'est vrai qu'on a les petits cactus, là. En fait, ils sont au fond, mais ils sont pas très chers. Oh là là, le budget, le budget, le budget. 86 simflouzes. La gave, elle est pas chère. Elle est limite mieux que ça, parce qu'elle prend plus de place. Eh, écoutez, on arrive sur la fin. J'ai même plus de quoi mettre une gave. Il me reste 20 simflouzes. Peut-être ça, là. Voilà. Et voilà, il me reste un simflouze. Est-ce que vous validez ou pas cette rénovation? Sans dépenser, hein. Avec quand même des prestations. Bon, écoutez, je suis assez contente. J'aime bien la chambre au fond, comme ça. Je vous rappelle que la chambre était tout simplement un simple lit, une place. C'est sympa. Après, qu'on aime pas au niveau du style, des couleurs, c'est normal. Mais le changement est radical. Je pense qu'on est plutôt bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dès maintenant à mettre un petit like, un commentaire et à partager la chaîne sur vos réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que vous me ferez connaître. Et en plus, ça me fait super plaisir. Moi, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !